Allez, salut les amis, salut les ovaliens, salut les ovaliennes, bienvenue à vous pour ce soir, pour ce pré-live qui va pas tarder à démarrer. Bah, il a même démarré, je dis des bêtises. Et je suis pas tout seul, je commence à avoir des compères dans le pré-live puisque bah, du coup, bah, Sébastien est aussi avec moi. Salut Sébastien. Bonsoir Hervé, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va, la forme, hein, au Kansas. J'espère aussi que toi aussi tu es en forme. Ah bah oui, écoute, en pleine forme, hein, toujours en forme pour la cup. Hein. Ah, toujours en forme, effectivement, pour cette cup qui fait donc étape ce soir sur l'ovale de Kansas pour le Kansas 230. Vous le voyez, on est à une heure hein, de lancement de la séance de qualification. Donc pour ces pilotes cup, ce sera notre sixième manche déjà. On avance, hein, en tout de cette manche approche de la mi-saison. Et surtout, bah, on va en reparler un peu plus tard, ça s'approche, bah, il va y avoir les playoffs, hein, donc les places commencent à être chères, mon cher Seb, mais il va falloir défendre le beefsteak. Hein. Ah mais j'adore en plus certaines expressions que tu as utilisées, mon cher Hervé. Mais oui, écoute, comme dans la vraie vie, on est dans la Cup Series, plus on approche cette fameuse, ce fameux début des playoffs, plus les équipes vont être désespérées pour essayer de chercher cette victoire qui est un ticket automatique pour les playoffs. Donc ouais. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est clair que la victoire est impérative pour ceux qui veulent se qualifier. Sinon, c'est au point, bien entendu. On sait, hein, c'est, on le rappelle, hein, les 12 premiers en termes de points qui sont qualifiés et une qualification automatique pour ceux qui ont gagné une course. On a déjà, et c'est bien, 4 vainqueurs différents sur cette Fall 2024. C'est un petit peu différent la Spring où ça trustait les victoires d'un monsieur certain, Cyril Nussbaum, et d'un Mickaël Cadeau qui se partageait un petit peu les choses. Cette fois, on a un entame un petit peu différente. Et du coup, ben, on va recevoir tout de suite, les amis, notre premier invité pour ce pré-live. Voilà, il a pris quelques instants. Il va nous rejoindre de suite. Voilà, on va l'amener tranquillement dans la cabine de commentaires. En douceur, on va le poser sur sa chaise tranquille. Et nous allons accueillir, messieurs, dames, tout simplement, monsieur Thomas Dariz. Salut Thomas. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va, la forme. Tu as la forme? Ouais. Ouais, effectivement. Chaud pour en découdre. Tu prends, pardon, des? Chaud pour en découdre ce soir. Ah, chaud pour en découdre, j'avais pas compris le truc. Alors, en tout cas, merci Thomas de prendre quelques instants avec nous sur, je dirais, ce pré-live. Faire un petit peu le point, si j'ose dire, ensemble, par rapport un petit peu à ce début de championnat pour l'instant. Donc on va attaquer la sixième manche, je disais, de cette Series Cup. Pour l'instant, alors j'essaie de retrouver mes petits en même temps. Thomas, on est dans les pilotes qualifiés, on est en 11e position, on avait un pas mal démarré la saison. On a tendance un petit peu à redescendre tout doucement. Voilà, comment se passe un petit peu ce début de saison pour toi, Fall 2024? Les deux premières courses sont bien passées, 2 P4. Et après, ouais, j'ai fait des erreurs sur les trois dernières courses à Atlanta. J'ai pris une pénalité qui me fout la course en l'air. Le road, ouais, je suis pas le meilleur, alors ça va, j'ai pas fait de course différente, mais ça va. Et Bristol, j'ai fait encore une erreur qui me coûte cher. Ouais, ces trois dernières courses, j'ai perdu des places. Voilà, effectivement, voilà, on a un petit peu. Alors, on reste là, hein, effectivement, on a deux top 5, on le voit à l'écran, de top 10 hein, depuis ce début de saison sur les 6 courses, bien entendu. On rappelle, hein, Thomas, qui était un des finalistes hein, de la Spring 2024. C'était compliqué, on a quand même des gros noms en face. Ça va être encore compliqué cette saison. Ah, je sais pas que saison le niveau augmente, j'ai l'impression là. Ah ouais. Ah oui, il y a toujours des montées où c'est des bons pilotes qui montent. La saison prochaine encore, il y aura des bons pilotes qui vont monter. Les saisons à venir vont être très dures. Ouais. Ça va être très dur effectivement. Alors du coup, je suis aussi avec Sébastien Kinder. Seb, tu as peut-être aussi une question pour Thomas. Déjà bonsoir Thomas, et enchanté. Bonsoir. Merci. Donc du coup, bah je sais que cette course tu as mis les grands moyens parce que je sais que tu as fait l'Ignite, on a partagé le même seul virtuel lundi. Alors je savais tout ce que tu as fait l'accès parce que moi j'étais en entraînement, mais la question que je voulais dire c'est comment ces courses là ont pu t'aider pour ce soir, en termes de stratégie, en termes de pilotage,
L'Ignite, je l'ai faite, l'Access, non, je sais parce que la voiture était trop compliquée, trop différente par rapport aux deux autres voitures. L'Ignite, ouais, ça m'a aidé. La gestion du trafic va être importante, les pits aussi, ça va être important sous l'air, parce qu'il va y en avoir. Ça va être l'important, c'est de pas faire d'erreur comme j'ai fait les trois dernières courses là. Et surtout marquer des points, ça va être important. Qu'on remonte un peu dans le classement. Il est serré le classement. Il n'y a rien d'effet pour l'instant. Il n'y a pas de pro d'écart. Ouais. Voilà. Ok. Alors, moi bien sûr. Thomas, je vais te taquiner un petit peu. Yes. Tu le sais bien. Qu'est-ce qui va aujourd'hui, j'allais dire, de ton côté, manquer? Parce que qu'est-ce qui manque finalement aujourd'hui à Monsieur Darryze? J'allais dire, bah, peut-être une première victoire en Cup. Ouais, celle-là, ouais, bon, je gagne pas souvent non plus. Ah ouais. Comment aller la chercher celle-là? C'est compliqué, il faut se mettre au niveau de Cyril, Michael surtout. Ouais. Et une meilleure gestion de course, là, les pneus. J'ai tendance à trop partir vite. À pas avoir une bonne gestion des pneus. Ouais. Donc, vraiment du mal sur cette gestion des pneumatiques? Pas du mal, mais avoir une meilleure gestion pendant la course, être moins agressif à certains moments. Ouais. C'est. Faut que je m'adapte encore. Alors, toujours un petit peu sur mon côté taquin, bah, Thomas, on est à la Wildcat e-Racing, qui était quand même, on va dire, sur la saison spring, un team assez productif. Au niveau team, compliqué cette fall 2024. Oui. Je parle que de la Wildcat, hein, parce qu'on a aussi la Black Cat. Hein. Ouais, justement, on a deux équipes, alors on a un peu équilibré les niveaux, je pense. C'est pour ça que cette année on est un peu moins performant au niveau classement équipe. D'accord. La saison dernière j'avais Fred qui performait pas mal. Mm-hmm. Mais cette saison il performe pas, ouais. Il a quelques soucis. Ah ouais, ben c'est vrai qu'au niveau de la Mac 4, il faut que ce soit. Alors on a Ben Roser, on a Frédéric Trince, effectivement. Tous les deux, bah, on est aux portes pour l'instant, bien entendu, on va dire, de la relégation. Je cherche en même temps qu'est-ce qu'il y a d'autre. La Black, on a aussi Eric Ramirez, qui est la Black. Eric Pépère aussi. Pourquoi on rejoint cette saison-là? Voilà, et puis même en termes Y4, hein, Antoine Marc, Arnaud Gorge. Voilà, donc qu'est-ce qui fait qu'on est si loin? Parce que bah, tu dis, les niveaux, on a changé, mais fondamentalement, on était quand même plus haut sur cette spring. Plus de concurrence, plus de difficultés. Ah, il y a beaucoup de faits de course, des crashs, à trop coéquipier. Entre vous, ouais. En plus. Oui, c'est. Alors, on était connus pour les pits, mais non, on va être connus pour les crashs. Ah oui, il faut demander à Eric, il est pas chanceux cette saison, deux ou trois fois déjà. Ouais, c'est vrai. Sortir par le coéquipier. Et puis, je crois même quand il fait des piges, il est aussi pas forcément bien chanceux actuellement. Quoi. D'accord. Non. Seb, peut-être de ton côté? Comment? Je sais pas. Je dis, Sébastien, peut-être une autre question? Je réfléchis à ces questions, mais je n'ai trouvé que de la soupe. j'ai quand même une question. Alors, ouais, si tu peux te rapprocher un peu du micro, Seb, je t'entends très très loin d'un coup là. Alors, voilà, parfait. Le micro a peine bougé. Ah, voilà. Thomas, j'aimerais savoir en fait c'est quoi les points qui pourra se concentrer ce soir à Kansas. Quels sont les plus gros défis que peut offrir cette piste? Je vais pas trop te dire. On va prendre la course comme elle vient, mais ça va être. On va rouler des longs runs ouverts, je pense que ça va être. Alors, bah, il va falloir pas attaquer au début, y aller mollo et préserver ses pneus pour la fin du run. Et surtout, pas rater ses pits, comme j'ai l'habitude de faire en ce moment. Ouais. Ok. Bon, alors, tu parles un petit peu de cette course. Donc, tu dis, bah, je pense qu'il va y avoir des longs runs sous-verts. Alors, c'est vrai qu'on a connu un petit peu les deux, hein, puisque sur lundi en Ignite, il y a eu une neutralisation. Tu parlais de cette course où tu étais d'ailleurs, où tu finis à une jolie P2, si je P4. P4. Voilà, avec
un dernier tour un peu particulier, hein, où on a essayé de chercher, puis voilà, on s'est touché avec, avec Alan, et fini, on finit P4. L'Ignite, elle, pardon, l'Access hier, full green, hein, aucune neutralisation. Ça veut dire qu'on a prévu quoi en termes de stratégie ce soir, Thomas, si tu veux bien nous en parler. Je n'ai rien préparé, je ne sais même pas combien d'offres on fait de tour. Alors ça, je peux te le dire, c'est 154. Je vais calculer après, là, je ne sais pas combien on fait de tour avec l'essence. Ouais, parce que nous, on est parti dans l'optique, hein, extérieur, effectivement, qu'on fait à peu près, je pense, 60 à 65 tours sur le plein, me semble-t-il, au niveau de cette cup, mais je ne serai pas affirmatif. Ça veut dire, alors je ne l'ai plus en tête, hein, attends, je vais essayer de te les retrouver. Si on part sur deux arrêts, dans le principe, on devrait piter autour 50 à peu près, hein, 50-51 sur deux arrêts. Si on est sur trois arrêts, aux alentours du tour 37-38, mais donc en état actuel des choses, pas de décision prise sur la stratégie pour l'instant. Ah non, c'est sûr que ça va être deux arrêts là. Ouais. Tous les 50 tours à peu près. Après, ça peut être chaud au début de course. C'est facile de faire des 3-4 fois. Il peut y avoir des journées en début de run. C'est possible. Bon. De ton côté, on est comment en termes de trajectoire sur ce tracé qui offre ben, plusieurs possibilités? De ton côté, on est plutôt en trajectoire haute, plutôt en trajectoire basse, en middle. Comment tu as déjà analysé les choses? Moi, c'est extérieur, je suis le plus à l'aise la plupart du temps. Donc on fait son Larson? Voilà. Pas aussi près du mur, mais... oui, et pas dans le mur si possible. Ouais. Ça serait pas mal. Du coup, objectif ce soir, Thomas, minimum un top 10? Minimum un top 10, un top 5, ça serait bien. Ouais. D'accord, allez. Être la win. Allez, la cerise, c'est la win, tiens, pour allez. Qu'on puisse se retrouver effectivement un petit peu plus tard. Bon, ça marche. Seb, peut-être une dernière question avant qu'on relâche Thomas. Alors, non, j'ai plus de questions. J'épuise toutes les questions. Moi, je suis intéressable sur les questions là-dessus. Bah écoute, Thomas, en tout cas, on va te remercier d'avoir pris quelques instants avec nous sur ce pré-live. On va te souhaiter un bon Kansas 230. Ah, si, j'ai peut-être une dernière question parce que c'est vrai qu'on est sur Kansas, mais semaine prochaine, t'as la dégâts. On attend ça avec impatience ou on redoute plutôt l'exercice? Ouais, je redoute un peu, ouais, c'est la loterie tout le temps, mais j'ai quand même de la chance sur SS, ça va, je m'en sors pas, je me débrouille pas mal, en principe, alors il va falloir éviter les crashs comme d'hab. Bon, eh ben écoute, on jettera ça en tout cas, parce que nous, si tu veux, on aime bien quand il y a du crash, hein, ça nous fait du spectateur oui, et des belles images, hein, dans l'absolu. Bon, allez, c'est à moi, quoi. Ouais, j'imagine aussi, on est bien d'accord. Allez, super, merci à toi en tout cas, Thomas, on te souhaite une belle merci course, coucou à toute la Black Cat, la White Cat, et puis bah écoute, soit un petit peu plus tard, soit une prochaine fois. Peut-être à tout à l'heure. Eh ben écoute, je l'espère aussi, pourquoi pas. Allez, hein, ça bon marche, bon salut, bye bye. Merci, à plus Thomas. Ciao. Allez. Moi j'ai envie de rebondir sur ce qui fait que ouais, il utilise la ligne haute et que oui, il a justement fait de l'Ignite lundi. La ligne haute était aussi celle qui primait en Ignite. Donc, à voir. À voir, effectivement, tu as raison. Alors, du coup, on avait prévu un autre pilote, mais je m'aperçois qu'il n'est pas connecté sur le serveur pour l'instant. Je vais aller zioter voir s'il est déjà peut-être en place au niveau du Discord, au cas où. Sinon, on va peut-être improviser hein, là-dessus. Ah, là, c'est bien le cup, bref. Ouais. Alors, très honnêtement, je lui avais dit 20h25. Il est 23, donc je ne veux pas... Voilà, je ne veux pas jeter la pierre tout de suite, puisque il va peut-être pas tarder en attendant. Alors, ce qu'on peut faire peut-être en attendant, Seb... Bah toi qui as roulé, je dirais, lundi avec le truck, moi j'ai roulé hier avec l'Xfinity, pour toi, et quel va être le secret pour ce soir, pour le Kansas? Eh bien, pour moi, si je devais uniquement baser ça, attention, j'ai fait zéro cup, donc ouais. Prenez ça avec une pincée de sel. Mais,
De ce que j'ai vu en Ignite, c'est que cette ligne haute, si elle fonctionne comme en Ignite, elle va être primordiale, puisque ce sera là où on va économiser la gomme. C'est là où on va avoir aussi les bons runs pour avoir les bons élans à la ligne droite de retour et pour même faire des débordements dans les virages. Donc pour moi, c'est cette ligne haute qu'il faudra maîtriser et essayer d'aller faire décaler Larson. Deuxio, si on est sur un long grid ouvert, comme quasiment toutes les courses, maîtriser cette entrée descente. Elle n'est pas hyper simple. Les cookie cutters sont jamais hyper simples en entrée descente. Donc le but, c'est vraiment perdre le moins de temps possible sur les freins et quand on rentre dans son pit. Pour moi, c'est les deux choses qu'il faut faire à la gare. Bon, bah écoute, on va surveiller ça. Alors ça, c'était un petit peu fait avec le truck. Moi, je sais pas si je vais vous partager mon expérience. Pour ceux qui étaient là hier, vous l'avez vécu. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à dompter cette piste de Quetzas. Voilà, j'ai eu... La voiture, elle n'était pas avec moi. Moi, j'étais pas avec elle. On était deux personnes vraiment bien distinctes. Ça a été compliqué de la garder sur la piste avec des sorties de T2, des sorties de T4. Très compliqué pour moi, j'ai eu du mal à saisir le sens. On a essayé de corriger sur des réglages, ça n'a pas fait. Alors là, on est un peu différent puisque sur cette voiture Cup, on sait que c'est pas une voiture asymétrique aussi, donc on sait que c'est une voiture qui colle hein, relativement bien les choses. La tendance, c'est plutôt d'avoir un train avant qui arrive à se dérober. Et puis elle est très surprenante, c'est-à-dire qu'elle part aussi d'un coup, voilà, sans qu'on s'y attende des moments. Et c'est ça un petit peu qui crée souvent la difficulté. Alors est-ce que ce sera le cas? On verra. C'est ce qui est vraiment désagréable sur le peu que j'ai roulé à cette Cup, c'est que on ne sait pas trop où est la limite. Et qu'en fait, dès qu'on sait où elle est, c'est qu'on est en tête à queue. Ouais, c'est trop tard, quoi. Voilà. C'est ça que t'es en train de me dire. C'est trop tard, exactement. C'est ça que t'es en train de me dire. Bon, allez, nickel. Du coup, on regarde. Écoutez, je viens de voir que notre invité est connecté sur le serveur. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Est-ce qu'on va l'avoir sur le Discord? Oui, il est présent. Je vais tout de suite lui envoyer le petit message qui va bien. Et puis, comme ça, nous allons pouvoir recevoir notre deuxième invité. Oh, il est 26, Hervé, il est 26. Oui, non, il est pas là-bas. Hein, voilà, hein, il était à l'heure, il n'y a pas de souci, bravo à lui. Tu t'attends aussi à une course avec peu de neutralisation, je suppose. Alors moi je suis un fan des courses où il y a très peu de neutralisation. Pour moi, s'il n'y en a pas, moi mieux je suis. Donc, si on en a zéro, et je pense qu'on peut en avoir zéro, c'est quand même une piste qui est large, on a beaucoup d'espace pour doubler. Donc oui, on aura peut-être quoi 2-3 drapeaux jaunes. Ouais. Bon, après, on a vu la semaine dernière, Hervé, comment j'étais désastreux sur les prédictions. Hein. Oh non, il n'y aura pas de drapeau jaune. Puis au moment où je le dis, il y a un drapeau jaune. Ah oui, c'est la malédiction du commentateur. Bon, allez, en tout cas, on va recevoir tout de suite écoutez, notre deuxième invité de la soirée. Voilà, il est là, il est présent. On va le remercier. On va le saluer tout de suite. En l'occurrence, c'est monsieur Jérôme Durand. Salut Jérôme. Et bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va. Bon, eh ben écoute, parfait. Merci à toi de prendre ces quelques instants avec nous avant cette sixième manche de l'IFRN Cup Series pour le Kansas 200. Alors, déjà, avant de parler un petit peu plus peut-être de cette course, Jérôme, parlons de ce début de saison Fall 2024 qui, je suppose, pour toi, est plutôt un bon début de saison. Ah oui, bah là, ouais, ça a bien commencé. Moi, j'ai fait des résultats corrects, donc... C'est mieux que la saison dernière, on va dire. Donc, ouais, c'est bien. Bon. Je crois que j'ai fait un top 5 la semaine dernière et j'ai dû faire des top 15. Donc, Ouais. Alors, de toute façon, on les a à l'écran un petit peu sur les stats, on va dire, cette année. Hein. Donc, on a déjà une pole, puisque t'es quand même connu aussi ouais. Pour être assez efficace dans les séances de qualification, mon cher Jérôme. Un top 5, effectivement, comme le situait. Et tu as aussi déjà aussi deux top 10. Voilà, ce qui te propulse pour l'instant en 6e position de ce classement des pilotes. Du coup, ça veut dire que Fall 2024... on a revu les objectifs à la hausse ou pas? Bah la saison dernière, l'objectif c'était bon, on va dire top 20, bah cette saison ce sera plus top 15 on va dire. Mais on n'est pas dans l'objectif des playoffs alors? Non je pense pas, là c'est parce que voilà j'ai enchaîné des résultats corrects mais je pense pas que ça dure.
pense pas que ça dure. Ah, tu prévois la Shkubun bientôt ou quoi? C'est quoi cette histoire? Non, non, pas ça, mais c'est qu'il y a, il y a du niveau et que voilà, j'ai eu de la chance la semaine dernière, il y a des gros noms qui sont fait avoir, on va dire. Mais sinon, c'est déjà compliqué d'être dans un top 10, donc c'est pour ça, je pense pas rester forcément à ce niveau-là, quoi. D'accord, donc on va dire un top 15, effectivement, la cerise sur le gâteau, ce serait de rentrer dans les playoffs. Oui, voilà, ça serait super, ouais. Bon, ça serait super. Ça serait du bonus. Ça serait du bonus. Bah écoute, tous les bonus sont bons à prendre, en tout cas. Ouais. Là-dessus. Alors, on a aussi Sébastien Kinder qui est avec nous, commentateur. Seb, tu as peut-être une question aussi pour Jérôme. Ouais. Bonsoir Jérôme, enchanté déjà. Enchanté. Et ouais, j'aimerais que tu parles pour la course ce soir. Comment tu t'es préparé cette course au Kansas Speedway? Bah, en général, j'essaie de faire une course officielle le week-end. Donc, j'ai fait une course au week-end. Et j'ai fait donc un peu de practice avant. Peut-être fait je sais pas combien de tours, mais bon, au moins une quarantaine de tours, je pense, facile. Pour voir un peu l'essence, l'usure des pneus, etc. Pas de pige en Ignite ni en Access? Non, non. J'ai testé pour voir par curiosité l'Access. C'était assez survireur, quoi. Ça glissait beaucoup. Hervé, tu confirmes? Non, pas du tout, ça glissait pas du tout pour moi. C'était une horreur. C'était une horreur hier, j'ai vécu une soirée de calvaire. Calvaire, effectivement, c'était donc, assez glissant. Pas plus, non, mais peut-être la semaine prochaine, il me reste une pige en truc à faire, peut-être que je ferai la Talladega, donc il n'y a pas besoin de trop d'entraînement, donc peut-être que je ferai ça. Mais pas. Puis j'essaierai de faire une pige ou deux en access. En access aussi. D'accord. Voilà. Alors, parler un petit peu de ce soir. Est-ce qu'on a bénéficié aussi d'un retour, si j'ose dire, du team de la Tunes? Parce qu'on avait le patron qui roulait aussi hier sur tracé, d'autres pilotes. Est-ce que vous avez échangé ou pas du tout? Non, on s'est pas croisé. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes emplois du temps. Eux, ils roulent le mardi, moi le mercredi. Et donc on se croise pas trop. Un petit moment que j'ai pas vu le patron. Ah, il se fait rare le patron, c'est pas normal. Ouais, ça. Il se fait désirer. Il se fait désirer. Bon, Olivier, si tu nous entends, t'entends ce qu'il y a. Tu as tes petits qui t'attendent hein, dans le team. Hein, voilà. Ah, c'est beau l'amour. Que dire, voilà. Nickel. Du coup, ce soir, Jérôme, 150 tours à parcourir. Est-ce qu'on a déjà pensé à la stratégie, aux arrêts ou pas encore? De toute façon, il faut faire au moins deux arrêts de ce que j'ai vu. On fait à peu près 62 tours avec le plein. Bon, bah écoute, c'est bien, tu me confirmes parce que moi j'avais mis une estimation entre 60 et 65. Ouais, c'est. Donc je suis pas si mauvais que ça, Et donc, si on fait en deux arrêts, ça sera autour du 50. Ouais, 50, 51, 52 à peu près, ouais, je suppose. Voilà. D'accord, donc on part ce soir sur deux arrêts. Ouais, dans tous les cas, après ça va dépendre si un jaune autant. Bien sûr. Pas, mais ouais, deux arrêts, puis ça use pas mal les pneus aussi. Donc, ouais. À l'endroit, ouais. 50 tours sur les pneus, c'est quand même compliqué à un moment donné ou pas? Ouais, au bout de 20-30 tours, ça commence à être compliqué quand même. Ok. Du coup, allez, on cherche vraiment les petits secrets. On va dire même stratégie, ce sera pour la Tunes au complet, même pour Nicolas. Ou tu as peut-être pas encore l'info. Nicolas est pas encore là. Normalement, oui, ce sera tout pareil, je pense. Hein. C'est-à-dire au niveau des arrêts, tu parles. Oui, deux arrêts aussi pour Nicolas, peut-être. Oui. De toute façon, il n'y a pas le choix de faire deux arrêts. C'est le minima. 62 x 2, ça fait 124. Il manque encore 30 tours. Alors, à moins d'économiser 30 tours d'essence, ce qui voudrait dire faire, je pense, au moins 50% sous Yellow la course. Ce qui ne me paraît pas une grosse probabilité ce soir. Est-ce qu'on s'attend quand même de ton côté à des neutralisations ou pas du tout? Bah hier, je crois qu'il n'y en a pas eu hier. Hier, on a eu zéro neutralisation. Bah, c'est possible qu'il y en... je pense qu'il y en aura quand même une ou deux, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ouais, voilà. Pas... Une fois que le field est étendu, je pense pas qu'il y ait trop de chances qu'il y ait de yellow, quoi. Bon. Seb, peut-être question?
Alors pour moi, j'aimerais savoir niveau trajectoire, où est-ce que tu te positionnes sur ce circuit? Est-ce que tu préfères la ligne haut? Est-ce que tu préfères la ligne basse? Bah moi, je vais peut-être plutôt rouler en bas pour les pneus. Bah après, en haut, ça va plus vite, quoi. Donc, si on roule en bas, je pense qu'on va se faire pas mal doubler sur l'XT, mais après, sur le long terme, peut-être que ça sera payant. Donc, si on est en bataille et que voilà, je suis obligé de rouler en haut, je roulerai en haut, mais après, si je suis tout seul, je vais rouler en bas. Quoi. Bon, bah écoute, on va surveiller ça effectivement. Et donc, en bas, moins d'usure de pneus sur ta constatation. Je pense. On va moins vite, on chauffe moins, donc. Ça use aussi, hein, mais normalement ça devrait user moins. Normalement, en théorie. Parce qu'il y a toujours la théorie et la pratique. Hein. Voilà. Moi, Chiquier, en théorie, je tenais, hein, mais en pratique, ça marchait pas. Hein. Des fois, voilà, on a des surprises. Effectivement, on a des surprises. Pour terminer, Jérôme, et puis on te laissera peut-être aller faire quelques tours, bien entendu. Au niveau de la team, justement, et de la Toons, est-ce que on s'est fixé un objectif ou pas du tout? Parce que c'est vrai qu'on sait que le classement team est subsidiaire, c'est juste pour le fun, bien entendu, mais est-ce que quand même on s'est mis la barre? Ou est-ce que le patron a mis la barre un petit peu aussi? Non, bah on prend comme ça vient. Hein. Là, Nicolas aussi a enchaîné des résultats corrects. Donc, ouais. Au niveau team, on est pas trop mal. Au niveau des points, je crois. Et donc, on va essayer de continuer comme ça, hein, de faire des résultats corrects. Pour essayer d'être pas trop mal positionné. On s'est pas fixé d'objectif particulier. Je vais aller le reprendre parce que je ne l'ai plus en tête justement, tu me parlais ce classement team. La Toons, ouais, vous êtes troisième hein, pour l'instant, voilà. Et 98 points derrière. Alors, ouais, on va dire les teams un peu peut-être extraterrestres, on va les appeler un peu comme ça, entre la Meumeu et l'Optimate. Là, vous êtes en troisième position, suivi pas trop, voilà, d'une dizaine de points de la Vaillante hein, qui pointe son nez avec l'Occitanie. Donc, ce serait quoi? Le top, ce serait de garder cette troisième place? Bah si on peut, ouais, ça serait bien, ouais. Mais après, c'est serré, hein, parce que la Vaillante, ça roule aussi. Bah oui, ça roule bien, la Vaillante. Il y a aussi... il y a Kevin, hein, maintenant, qui est... Bah oui pilote. Et qui puis, fait un gros début de saison. Quatrième aussi, je sais plus, c'est qui? C'est l'Occitanie, c'est ça? L'Occitanie, ouais. Ouais, voilà, ça peut... C'est pas joué, quoi, mais... Cinquième. On peut... Bah, si on n'a pas de malchance et qu'on arrive à faire d'être constant, on peut peut-être essayer de garder cette troisième place. Hein. Bon. Et alors, du coup, ben, toi, l'année dernière, tu étais en Spring Rookie. D'accord. Ouais. Cette année, on ne l'est plus. Quel regard on a sur les rookies qui arrivent cette année en termes de performance et de niveau? Alors, je connais Jérémy Van Kelsen en rookie, à qui il y a Emmanuel Angulo, je crois. Non, je sais plus. Et ils sont 3-4, je sais plus, je connais pas trop tous les noms. Alors on a des retours, hein. On a Thibaut Lefebvre, on a Kevin, effectivement, mais c'est des retours des gens qui avaient déjà roulé sur la Cup. Puis aussi Christophe Gass, qui a peut-être un peu plus de mal Christophe. En début de saison. Ouais. Ouais, il a pas eu de chance sur les fins de course à chaque fois, il était pris dans des incidents. Bah, ça a l'air de rouler correctement. Hein. Emmanuel, il a l'air d'être assez rapide, je crois, il me semble, de mémoire. Jérémy aussi. Ils sont rapides, après il faut qu'ils apprennent un peu la voiture quoi, ouais. Normal. Donc l'usure des pneus, les coups d'équerre, les choses comme ça. Ouais bien sûr. J'ai pas trop fait gaffe en fait. Mais il me semble que j'ai croisé déjà Emmanuel et Jérémy. Donc ils roulaient bien. Bon ok. Bon, parfait. Eh bien, écoute, Jérôme, on va tout simplement te remercier d'avoir pris ces quelques instants avec nous avant ce Kansas 230. On va te souhaiter une belle course pour ce soir. On n'a pas parlé. Objectif, c'est quoi alors? Ce serait rentrer dans le top 15? Ouais, si on peut faire un top 15, top 10, ça serait top. Mais déjà, top 15, ça serait bien. Bon, allez, alors on va zioter ça si on rentre dans le top 15. Ou une win, on sait jamais. Ouais, oui. Pas moyen là. on en a une l'année dernière quand même. Hein oui. Ouais, mais même type de circuit. Et... Oui, c'est pas la même chose, effectivement. Bon, et Rocketman ce soir, une petite pole ou pas? On va essayer. Je pense pas, j'ai un peu de mal sur ce circuit. Avec, ouais. Bon.
J'ai pas trouvé le truc encore. Bon, eh ben écoute, ça arrive parfois, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. On te souhaite une belle course, belle soirée. Merci à toi, et puis ben, soit plus tard, soit dans la saison. Merci à toi, en tout cas. Allez, bonne diffusion à vous. Merci, bye bye. Allez, ben voilà, mon cher Seb, on a bouclé le programme, on est à peu près dans les temps, c'est quelle heure? 39, ouais, on a même un petit peu de marge. On a un petit peu de marge. Alors, j'avais un petit peu de marge, je voulais voir s'il était dispo, je sais pas s'il m'a répondu, attendez, hop, on va essayer, parce que je navigue hein, entre les fenêtres, m'en veillez pas, s'il est là, il est là, on va le recevoir tout de suite, regardez, hop, je vais le mettre ici, il va être avec nous, on va accueillir un de nos pilotes embarqués, qui est, en l'occurrence, monsieur David Paul. Salut David. Bonsoir Hervé, salut à tous. Comment vas-tu? Bah écoute, je suis sorti du boulot à 20h, le temps de rentrer à la maison, de manger un bout, de préparer le simu, un peu en speed, mais là on peut enfin se poser, commencer à s'échauffer un peu. Ouais, sinon alors, ça va. Je vois que t'es déjà au volant parce qu'on t'a mis bien sûr à l'écran et on te remercie pour le petit retour cam comme d'habitude. Là-dessus, David, petite ambiance romantique, hein, un petit peu dans le noir ce soir. Oui, bah, c'est la petite lumière qui est allumée là. Parce que la grande, elle est un peu agressive pour pouvoir. Parce que j'ai le petit qui dort dans la chambre d'en face. Ouais, non, mais pas de soucis. Bon, David, comment ça se profile pour ce soir? Tes impressions? Faudra qu'on fasse aussi bien que nos collègues de l'Access hier déjà. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, beaucoup de trash possible avec la Cup. Que ce soit XT1T, hybride en roulant au milieu, il y a quand même beaucoup de possibilités ce soir, donc ça risque de donner des situations assez chaudes, notamment sur les phases de relance. Après, s'il n'y a pas de jaune, je pense qu'une fois que le run va s'installer, là, il y a les écarts qui vont se faire, parce qu'il y a la possibilité de ruiner rapidement sans s'en rendre compte. J'ai fait la meilleure expérience à ma première officielle. Donc, à voir, en fait, ce sera toute une question de est-ce qu'on va réussir à rester sous verre ou pas. Parce que c'est vrai que vu la voiture, elle est quand même beaucoup plus stable que l'Xfinity hier soir, sur ce que j'ai vu et ce que j'avais roulé. Donc ça peut être intéressant. Bon, on te voit un petit peu à l'écran, ça veut dire qu'on est plutôt en privilégié la trajectoire haute. Moi je préfère rouler en haut, après je m'adapterai en fonction de ce que je verrai en piste. D'accord. Moi je préfère rouler en haut parce que j'ai l'habitude de prendre en haut, mais si je vois qu'au fil des runs en bas ça marche mieux, j'arrive à peu près à la prendre en bas. Je suis plus à l'aise en haut, donc bon, je m'adapterai en fonction des conditions. Quoi. Ok, en termes de stratégie d'arrêt, on sait que c'est au minimum 2 arrêts, mais est-ce qu'on reste sur ces 2 arrêts ou on peut imaginer 3 arrêts ou pas du tout? Dans l'absolu, je vais suivre la masse, parce que Kansas, c'est pas un circuit qui m'a réussi sur la gestion de carburant. Parce que les deux dernières éditions de la course ont été frustrantes parce qu'à chaque fois, j'ai passé la ligne d'arrivée en panne sèche. Ah, exact, je me souviens plus. C'est ça, c'est là que j'ai créé oui, le fameux même lancer de gants. Ah oui, voilà, c'est ici la Discord, c'est ici, effectivement, c'est exact ici. Oh là là, ça m'avait complètement oublié, tu fais bien de nous le rappeler, David. Allez. Ah, donc, on va essayer de suivre la masse et arriver surtout avec le carburant, parce que c'est vraiment ça qui peut être compliqué sur ce circuit si ça reste ouvert. Bon, Sébastien qui est avec nous, Seb, peut-être une petite question pour David. Alors déjà tu m'as piqué ma question sur la stratégie. Ah bah ouais, je suis comme ça moi. Alors moi j'aimerais savoir. Attends, laisse-moi me rappeler ma question de secondes. Je me gare parce qu'avec le bruit du moteur je t'entends très peu. Ah oui voilà. Attends, laisse-moi aussi me rapprocher de mon micro un peu. Mais j'aimerais savoir pour toi quelles sont les clés pour maîtriser ce circuit du Kansas Speedway. Ah là, ça c'est une bonne question parce qu'il y avait un temps, les premières fois que j'ai roulé, la clé c'était de savoir longer le mur à la Kyle Larson. Là on a vu depuis qu'on est passé avec la Next Gen qu'il y a l'intérieur qui est très très rapide aussi si on la prend correctement. Je pense que c'est écossais pneu, comme beaucoup de circuits, mais c'est un circuit où la dégradation en fait peut venir de manière très piégeuse, on se rend pas compte et puis d'un coup on a une chute de rythme très prononcée. Je pense être capable de gérer ces pneus et surtout savoir économiser le carburant parce que les dernières courses qu'on a fait en Cup, on a eu de gros long runs. Donc, je pense que ça peut être une des clés, la gestion du carburant peut-être en premier hein, sur un très très long run. Donc, je vais mettre la gestion du carburant en premier ce soir. Bon, et ben en tout cas, on va surveiller ça de près. Et ben écoute David, on va te remercier, on va te souhaiter une belle
course pour ce soir. Un bon Kansas 230, puis sait-on jamais, on se retrouve peut-être à la fin ou pour les prochains streams. Bah pourquoi pas, puis merci à vous. Ciao. Merci, salut, bye bye. Merci David. Ciao. Bon, je l'ai renvoyé à la SBG, je me souviens plus s'il est à la SBG. Moi j'espère qu'il m'en voudra pas, je sais plus. Je suis mélangé. Ah bah, bravo, bravo, je suis bon, hein, je suis bon. Il est bon ce monsieur, il est bon, il est bon. On va revenir sur le pré-live. Alors, du coup, on n'est pas très loin du truc, ça tombe bien, c'est super. Alors, par contre, on a un petit souci d'interface pour l'instant, parce que je vois qu'on n'a aucun chrono qui s'affiche actuellement. Donc j'ai un petit peu d'inquiétude là-dessus. Alors bougez pas, hein. on va simplement se déconnecter de l'interface. Ça, on va la relancer. Ça se trouve, Hervé, ils ont juste pas fait chrono depuis pendant une heure et quart. Écoute, oui, ça pourrait être. Ils attendaient qu'on finisse le pré-live. Et ça doit être ça. Alors on va essayer de relancer un petit peu toute cette mécanique. Monsieur SDK, il est ici, voilà. Alors, merci. Alors pendant qu'Hervé il finit de bosser sur ça, juste un petit rappel que vous nous retrouverez sur cette même chaîne demain vers 20h45 pour le South Boston, c'est le 200 si je dis pas de bêtises. 150. Le South Boston 150 avec un format à l'ancienne, un peu à la scène locale des short track américains. On vous en dira plus demain, mais voilà, rendez-vous demain avec moi-même, Hervé, et mon cher mentor, Kevin Pommier, voilà. Exactement, alors je vois que l'interface, elle est un peu feignasse ce soir, à chaque fois, elle plante, elle ne fait que planter. J'espère qu'on ne sera pas trop embêté avec ça, je ne sens pas bien, ouais, si, tac, on l'a relancé, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vraiment pas. Hein. Bon, on va essayer de résoudre le problème. J'espère qu'on n'aura pas de soucis. On verra pour la régie. Ouais, ça va être un petit peu le petit problème. En tout cas, on vous a peut-être pas salué dans le chat. Merci à tous déjà d'être là. Bienvenue effectivement sur ce Kansas. Elle est capricieuse hein, cette interface ce soir. On va réessayer. Oh là là. C'est pas bien. Allez, respire. Oui, c'est pas grave, c'est les joies du direct, ça fait pas un souci, je vais la relancer une nouvelle fois. Allez, pendant ce temps, on dit bonjour à ceux qui sont dans le chat, bonsoir à Terry, quand est-ce que tu roules en cup? Philippe Mur est aussi là, bonsoir à toi, équilibrateur aussi connu sous Brian Fioras dans la IFRL NWS Racing Rookie Series. Bonsoir à toi, bonsoir à toutes et à tous. Être sur le live, vous êtes on sur le live, vous avez regardé le meilleur pré-live de l'IFRN, c'est normal parce que c'est moi Hervé. Allez, Hervé, bon, j'aurai même l'arrogance de la rookie. Ouais, on va faire ça. Bon allez, en tout cas, on va faire la petite coupure comme d'habitude avant de vous lancer les génériques. On espère retrouver l'interface SDK, sinon ça va être un petit peu compliqué. On fera l'ancienne, c'est pas grave, on va faire de la radio, c'est pas gênant. En espérant que ça se remette dans le bon sens. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce pré-live. Allez, on se donne 3-4 minutes pour le début des hostilités avec le reste de l'équipe. Allez, à tout de suite les amis. À tout de suite.